débuté les arts martiaux à l'âge de 8 ans. Ce n'était pas facile car notre maître, Émile Sand, était particulièrement exigeant avec nous. Ce grand monsieur impressionnant, un cheminot qui a enseigné le judo toute sa vie, dégageait une force, un engagement et une humanité qui suscitaient immanquablement le respect. Avec lui, j'ai rapidement connu le monde de la compétition, gagné mes premières médailles, connu la défaite aussi, appris peu à peu à repousser mes limites et à gérer tant bien que mal la boule à l'estomac avant le combat. Puis bien des années plus tard, à 28 ans, j'ai découvert l'aïkido et je me suis instantanément passionné pour cet art martial extraordinaire. Aïkido signifie en japonais la voie de l'harmonisation des énergies. C'est un art martial de défense, accessible à tous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Un art très complet, technique, fluide, dans lequel, en synthèse, on utilise la force de l'attaquant pour la retourner contre lui et le neutraliser. Mais l'aïkido, c'est également une formidable école d'équilibre qui renforce à la fois le corps, le cœur, la force mentale et l'esprit. Il propose en outre une véritable philosophie de vie non violente, basée sur le centrage, la maîtrise de soi et surtout la relation harmonieuse à notre environnement, au sens large du terme. Aujourd'hui, j'ai compris en réalité que l'aïkido peut vraiment nous transformer en profondeur et qu'il est davantage un chemin qu'une finalité, une voie d'excellence à pratiquer avec l'esprit d'un apprenti permanent, car là comme ailleurs, la couleur de la ceinture ne décrète pas la valeur d'un individu, elle doit constamment se mériter. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, en quelque sorte, l'arme absolue que m'ont enseigné les arts martiaux. Cette arme, c'est le réflexe de l'équilibre. Un réflexe essentiel dont vous aussi, vous pouvez vous inspirer au quotidien pour cultiver tout au long du chemin, dans votre famille, dans votre travail, votre entreprise, vos amitiés, je dirais votre vie tout entière. Voilà. Alors, mon chemin à moi commence de façon tout à fait ordinaire. Fils aîné d'une famille de 3 garçons, j'ai grandi heureux, très heureux même à la campagne. Mes parents nous ont élevés avec amour, en nous transmettant des valeurs simples, mais essentielles, toujours bien ancrées en moi. La famille, le respect, l'honnêteté, la justice, le goût de l'effort et du travail bien fait, le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative. Je me souviens d'ailleurs que mon père organisait toutes les semaines des concours d'initiative. Alors avec mes frères, tous les samedis midi à table, nous étions au rapport. Bref, tout ce qui pouvait nous rendre autonomes, débrouillards, responsables, était bon. Alors justement, pour me débrouiller, très jeune, j'ai ressenti un besoin impérieux de voyager. Alors chaque année, à partir de 15-16 ans, je suis parti à l'étranger pour effectuer des missions bénévoles dans le cadre de chantiers de travail, des travaux de rénovation. Allemagne, Angleterre, Norvège, Pologne, c'était souvent assez dur, mais toujours très formateur. Je me rappelle par exemple cette année où, trempé, affamé, après avoir traversé la Norvège en stop, pour rejoindre une ferme située dans un petit village près d'un fjord, le fermier que je venais aider pour une période d'un mois, qui vivait seul avec sa mère, m'a accueilli sans un mot, encore moins un sourire, m'a juste fait signe de suivre dehors pour me montrer ma chambre. En fait, de chambre, une sombre cabane en lisière de forêt. Et alors là, je me suis senti seul, mais seul à en pleurer, en me demandant ce que je faisais là. Ce type étrange, des missions bénévoles quand même. Et la première tâche qu'il m'a confiée le matin dès 6 heures a été de nettoyer de fond en comble une étable immonde, aux odeurs insoutenables, les bottes jusqu'en haut des cuisses, tenez-vous bien, dans un mètre de bouse de vache. Ça commençait fort. Faites pas cette tête, non. Je m'en suis remis. Je veux dire qu'avec le recul, j'en ai gardé un souvenir ému. Ces voyages ont été pour moi, ils ont vraiment alimenté mon,
mon goût pour l'aventure, pour le dépassement, et ont été une vraie source d'équilibre à toute étape. L'année de mon bac, nous avons déménagé deux fois et sommes venus vivre en Alsace. Mon père y venait pour redresser une usine en difficulté. Malgré les problèmes de santé à cette époque liés à l'épuisement et au prix d'efforts surhumains, je dois dire, il est parvenu à remonter cette usine et à lui faire gagner autant d'argent qu'elle en perdait avant. Fragilisé physiquement et soutenu par ma mère, il a tenu bon grâce à sa force mentale. Et je dois dire que ce courage dans l'adversité m'a profondément marqué en tant que fils. Mais dans le même temps, m'a attristé et m'a rendu particulièrement attentif à l'importance, et j'insiste là-dessus, de cultiver notre santé en permanence, parce que sans elle, tout peut vite basculer. L'équilibre est tellement précaire. Puis après des études en subdeco, je suis parti aux États-Unis, à Los Angeles, pour m'occuper d'un bureau commercial export pendant près de 2 ans, notamment dans le domaine des machines à café, expresso. Et là, je dois dire que la dynamique américaine m'a immédiatement séduit. Je me sentais privilégié. J'avais l'impression d'avancer, d'être constamment en mouvement, physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Puis de retour des États-Unis, j'avais un rêve d'enfant, en réalité. Et c'était le bon moment. Repartir pour le Brésil, cette fois. Alors, mon billet en poche, je m'envole pour l'Amérique du Sud, où je passerai 6 mois, dont 4 au Brésil, à arpenter dans tous les sens ce pays fascinant, cette terre d'aventure. Et un beau matin, sans prévenir, dans un bus à Rio, j'ai fait la rencontre la plus importante de toute mon existence, celle de Danielle, qui deviendra ma femme, la maman de nos 3 enfants. C'était il y a 22 ans. Retour en France fin 1991, en pleine crise de l'emploi, disait-on à l'époque, c'était la période, la guerre d'Irak, et vraiment l'emploi était difficile déjà. Je relève mes manches pour trouver un travail et je décroche assez rapidement un job de responsable export Europe au sein d'une PMI, leader mondial dans son domaine, la fabrication de brouettes. Un job plutôt sympa, dans lequel, du haut de mes 25 ans, je me vois déjà conquérir l'Europe avec mes brouettes, hein, qui sont un peu le Christian Dior du marché. Bien hein, pour une brouette. Oui, mais voilà, personne ne m'attend. Personne. Et je me prends des portes régulièrement. Je revois encore ce grossiste polonais me dire dans un allemand approximatif, aussi approximatif que le mien d'ailleurs, nous, acheter brouette de Russie, très très costaud, pour beaucoup, beaucoup moins cher. Bien. Alors, je déploie l'artillerie commerciale et je finis par lui vendre 20aine de brouettes, au moins pour qu'il essaye. Et on prend rendez-vous quelques semaines après, je reviens, et il me dit, venez, venez. Et il me montre une de nos brouettes, complètement, mais alors, détruite. J'avais mal pour la brouette. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis il dit, nous, mettre 300 kilos de briques dans brouette, faire 4 trous dans caisse et monter poulie. D'accord. Je me dis, là, c'est pas gagné quand même. Hein. Il va falloir être patient, il va falloir être tenace. Alors j'ai des doutes. Je me demande si je suis capable, finalement. Mon patron, lui, me fait confiance. Non seulement il me fait confiance, mais en plus, il élargit mon champ d'action en me confiant quelques grands comptes français. Bien. Alors j'avance peu à peu, au fil des mois, mais avec un sentiment assez étrange. Celui de ne pas être tout à fait là où je devrais être. Difficile à décrire. C'est à ce moment-là que, fin d'année 1993, mon père me propose de le rejoindre dans la société qu'il a créée quelques années plus tôt. L'objectif est de l'accompagner dans le lancement de gammes de panneaux décoratifs en bois et métal surstratifié, gammes de panneaux pour l'agencement intérieur, dont il vient d'obtenir l'importation et la distribution pour le marché français. Il a pour cela embauché 2 commerciaux, pour couvrir la France. Et tout est à faire. Tout est à faire. Gamme et stratégie à définir, réseau à implanter, stock et outils de gestion à mettre en place, communication à créer, etc. Un défi conséquent pour lequel il a investi une bonne partie de ses deniers personnels. Alors, pas question de se planter, il faut réussir. Et la pression est forte. Ce n'est jamais un choix anodin, travailler avec son père. Certains d'entre vous le savent peut-être, son père ou en famille. Et je savais que l'exigence serait maximale. Je n'ai pas été déçu, d'ailleurs.
mais j'ai accepté. Et nous avons travaillé 12 ans ensemble. 12 ans. Pendant lesquels les résultats ont été au rendez-vous, au-delà de nos attentes. Et j'ai vraiment compris ce que rechercher l'excellence veut dire. Papa, tu m'en as fait baver. Mais tu as bien fait. Tu as bien fait parce que ça m'a permis, ça m'a appris à être toujours plus exigeant avec moi-même. Et aujourd'hui, j'espère, suffisamment exigeant avec mes propres enfants pour les renforcer. J'ai franchement aimé notre entreprise. Franchement, je m'y suis investi totalement, me renforçant en même temps qu'elle, au fur et à mesure. J'ai vu notre équipe grandir, évoluer au fil des années. Nos produits et nos positions s'affirmer, nos clients nous mettre au défi et nous faire confiance. Ces 12 années, franchement, ont été une formidable aventure, humaine d'abord, difficile, mais passionnante. Et en 2004, notre entreprise figure au palmarès des PME les plus performantes de France. Toutefois, j'ai fini par quitter cette belle affaire en fin 2005. 3 ans plus tôt, mon père envisageait de restructurer le capital de l'entreprise et m'a demandé comment je voyais mon avenir professionnel. Là, il m'a obligé à me poser les vraies questions. Vous savez, ce genre de questions qu'on a tous au fond de soi-même, quelque part, qu'on préfère parfois mettre de côté en se disant qu'on verra bien plus tard, quand le moment sera venu. Oui, mais voilà, quel moment ? Quel moment ? Alors j'ai dû puiser la réponse au plus profond de moi-même, en toute sincérité. À l'époque, j'avais 35 ans, une très belle situation, mais pour être sincère, je commençais à être en panne de rêve, en recherche d'un nouvel équilibre. Cette introspection qui a assez vite confirmé que j'aspirais à autre chose, me dynamisait et me déstabilisait à la fois, notamment vis-à-vis de mon père. C'est donc tiraillé entre ces sentiments contradictoires, tout naturellement, que je me suis engagé à l'accompagner jusqu'au bout dans cette phase de transition. Après avoir envisagé diverses configurations, tenté en vain de recruter pour la suite, nous avons finalement vendu la société 3 ans plus tard. J'avais bien sûr contribué à la développer. Elle faisait partie de moi, cette société. Mais elle n'était pas mon bébé. Et j'avais besoin de reprendre mes distances pour me retrouver. Comment vous dire ? Il fallait que je me mette en danger pour avancer à nouveau. Un peu comme quand je partais en voyage, sans savoir ce qui m'attendait. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, recréer pour repartir de zéro avec un nouveau challenge qui m'exalterait, qui me donnerait un sentiment de plénitude, mais vraiment de plénitude. Et j'acceptais pour cela de renoncer à la sécurité. Il m'a fallu plusieurs mois pour découvrir quelle serait cette nouvelle étape de ma vie. J'ai cherché, sans relâche. Imaginez des métiers parfois farfelus. Envisager avec mon épouse de partir nous installer au Brésil, aux États-Unis ou ailleurs. C'est finalement le 2 mai 2003, pour être très précis, que je l'ai interpellé et que je lui ai dit « Écoute, ma chérie, m'entendez ? Oui. Je vais faire entrer l'aïkido dans le monde de l'entreprise. Et je vais le faire en créant un nouveau concept de formation. Une formation au leadership par l'équilibre. Le monde est en train de changer, je sens que c'est le moment. J'allie ainsi 3 de mes passions, le management, le développement personnel et l'aïkido. Et ma méthode viserait à renforcer les personnes, les équipes et les organisations au plus profond d'elles-mêmes, c'est-à-dire dans leur cœur. Je m'appuierai pour cela sur mon expérience de manager, sur mes recherches personnelles et sur les enseignements essentiels de l'aïkido, d'une grande richesse. Alors après lui avoir expliqué le projet, mon épouse m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Écoute, tu as l'air tellement enthousiaste, je crois que tu dois le faire. » Et là, croyez-moi, elle m'a rendu un immense service, immense, en m'accompagnant psychologiquement dans ce projet qui, bien sûr, impliquait toute ma famille. Le concept Aïkido Management était né. Soyons clairs, certains m'ont pris pour un fou. D'abord, on ne quitte pas une entreprise de rêve, très rentable, dotée d'une excellente réputation, avec 3 enfants à charge et un emprunt immobilier sur le dos, vous voyez le topo, hein ?
les vieux réflexes, l'image, la sécurité. Et pour faire quoi, vous dites? Aïkido management, c'est quoi ça? Vous croyez vraiment que ça va intéresser les entreprises? Vous avez fait une étude de marché? De toute évidence, mon concept était aussi limpide pour moi qu'étrange pour les autres. Mais moi, j'y croyais dur comme fer et je prouverais à la terre entière que j'y arriverais, que mon idée avait du sens et qu'elle serait utile aux gens. Eh bien, vous savez quoi? J'avais retrouvé mon équilibre. Alors, fin 2005, nous y voilà. Je suis officiellement lancé à mon compte, sans possibilité de revenir en arrière. J'innovais alors, pour donner de la crédibilité et de la visibilité à mon approche, j'avais besoin du relais des médias. Alors, j'ai contacté des journalistes et l'un des premiers articles parus a été celui du Figaro, intitulé « Le management par l'aïkido ». Une demi-page. Le journaliste venu exprès de Paris à Strasbourg, j'habite à Strasbourg, avait même envoyé un photographe pour une série de prises de vue. J'étais super flatté. Et lorsque l'article est paru, quelques personnes m'ont appelé. L'une d'elles m'a demandé en voyant la photo, « Mais vos séminaires, ils se déroulent sur des tatamis ?» Je commençais. Et pour être tout à fait sincère, je ne pensais pas aller si loin dans le concept, parce que ça me semblait un peu suicidaire, et pour tout dire, surtout en France. Pourtant, sans bien savoir pourquoi, je lui ai répondu « Oui, oui, tout à fait, sur tatami, en kimono et ceinture blanche. » Alors là, je ne pouvais plus reculer. Il faut être gonflé parfois dans la vie, mais après, j'étais engagé. Moi. Bon. Je mentirais en vous disant que mes débuts ont été faciles. En réponse à mes innombrables prospections téléphoniques, j'ai reçu des réponses négatives par centaines, pour quelques oui ou peut-être, qui m'ont permis de tenir bon, de développer peu à peu mon activité. Pour essayer de me faire connaître, je donnais des conférences partout où l'on m'acceptait. Autant vous dire que mon moral était constamment mis à l'épreuve. Mais je continuais à être en phase avec moi-même. Et au fond, c'était ça mon essentiel. L'esprit des arts martiaux était en moi. Et je me disais que si moi j'y croyais, eh bien, je finirais bien par convaincre les autres d'en faire de même. En 2009, quand la planète tout entière n'a plus parlé que de crise avec tous les déséquilibres qu'elle engendre, j'ai profité d'une période plus calme pour exprimer dans un livre l'importance de cultiver notre équilibre dans notre vie personnelle et professionnelle. Ce livre s'appelle « L'équilibriste ». C'est une quête initiatique et je l'ai coécrit avec Philippe Blanc, un ami d'enfance qui vit en Angleterre. Et ensemble, nous avons trouvé, parce que ce n'est pas le tout de l'écrire, il faut se faire éditer, nous avons trouvé un formidable éditeur, Un Monde Différent, qui est basé au Québec et qui a cru en notre livre. L'objectif en l'écrivant était de partager une certaine vision de l'équilibre avec des mots simples et en même temps, autant que possible, d'apporter une aide aux gens. Et nous sommes tous des équilibristes, au travail comme dans la vie en général. Deux ans plus tard, j'ai coécrit avec Hervé Lutringer un deuxième livre, romancé, intitulé « Haute tension, regard croisé sur l'essence du leader ». Regard croisé entre un manager d'entreprise et un commandant des forces spéciales marines. Il y a aussi une histoire derrière ce livre. Aujourd'hui, cela fait 8 ans que mon entreprise existe. J'ai formé plusieurs milliers de personnes à la méthode Aïkido Management et j'ai l'impression d'être au début de l'aventure. Je n'ai aucune garantie que mon activité continuera ou que j'aurai toujours les ressources physiques pour continuer. Mais je suis heureux et reconnaissant. J'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même, de rester en équilibre de toutes les manières possibles. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi pour continuer à m'adapter à chaque situation et à continuer à avancer pas après pas sur ce fameux fil. J'essaie aussi d'accepter les déséquilibres lorsqu'ils se présentent et d'apprendre d'eux parce qu'ils sont sans doute nos meilleurs professeurs et nous maintiennent en éveil. Mon expérience personnelle m'a notamment appris 3 choses que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est que l'équilibre, selon moi, est une force vitale. Une force intrinsèquement dynamique et précaire, qui se construit de l'intérieur de nous par les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes actions
L'équilibre, c'est une compétence, c'est un réflexe vertueux à développer au fur et à mesure que l'on avance. La deuxième chose, c'est que plus nous contribuons à l'équilibre de ceux qui nous entourent, ceux CE et CEUX, en exprimant de l'amour, du partage, du respect, de la compassion, de la solidarité, plus cet équilibre nous revient démultiplié. Et la troisième chose, c'est que pour vivre en équilibre, nous devons apprendre à surmonter notre peur du déséquilibre, qui n'est en fait que l'autre face d'un même tout. Plus vite nous apprenons à savoir tomber pour être prêts quand la vie nous y contraint, plus vite nous devenons capables de nous relever et de rester longtemps debout. En aïkido, la chute est une esquive, une simple étape. Merci.